je fais vite. Vas-y. Ouais, collègue. Ouais. C'est bon, Max? C'est bon, Sam? T'as pas écouté aussi? Ouais, attends, je reviens dans ma tête, je lui pisse dans ma tête, d'accord? Vas-y. Oh merde! Du coup, j'arrive. Vas-y. Qui est en service? Il y a Sam, il y a moi, puis qui Somebody want to be too real, she's gone from the past. Max Anderson, tu es de retour. Hein? Tu es de retour, ok. Ouais, quand ils sont Max. Allô, la radio. Salut. Ouais.
Ouais, je suis dans toi. C'est Max. Moi je sais, moi j'attends Sam qui est parti faire des trucs. T'as pas dans sa tête. C'est qui prend? Quelqu'un prend l'alerte? Ouais, tu peux la prendre. Tu prends les deux alertes, c'est au même endroit. C'est qui a pris les alertes? Hein? J'en ai pas pris, tu peux les prendre. Ah, d'accord. Ah, ok, bah j'ai pris. Ah, c'est bon, je suis de retour. Regarde sur Discord. Ouais, regarde sur la radio D. Regarde sur la radio D. T'as vu mon nom? Ah, sur la. Ah, ouais, attends, mon... ton nom, attends. T'as vu, y'a un petit truc mauve. Ouais, ouais, tu live, ouais. Le meilleur ouais. OMS de la vie, mais vas-y, toi. Let's go. Ah, c'est ça, ouais. Mais tu live sur quoi, du coup? Enfin, merde. YOLO. YOLO, je parlais chinois. Waouh. Je lève sur bah, YouTube. YouTube. Ouais, mais t'as compris. T'as combien de personnes ouais, qui sont abonnées? Là tu fais ta routine en tant que MS, tu vois. T'as ta petite GoPro. Ouais, bah, ouais, voilà. Bah, j'ai installé, j'y vais juste installer une GoPro sur mon MS sur YouTube. Mais de base j'ai genre j'ai 600 abonnés. À peu près. Ah ouais, quand même. Bah 400 on va dire. 500 environ. Mais j'ai demandé à une papillon s'il pouvait mettre mon truc directement sur le serveur. Sur la radio D. Il y a quelqu'un quoi à l'accueil? Non, personne du coup. Ok, bah je branche le véhicule et je branche. Du coup les alertes ont été prises ou pas? Oui. Oui. Ah, le pauvre bateau, il reste tout le temps à l'accueil. Ouais. C'est pas grave. Il peut prendre les alertes, hein. T'inquiète, j'étais en dehors pour prendre les alertes. Ah, tu veux pas conduire? Tu veux pas conduire? Mais plus le temps, mais vas-y, 23, mais. 43 non, mais 23, on va prendre le véhicule, d'accord? Conduis. Ici actuellement. J'en peux plus de toi, j'ai un ras-le-bol. Et puis ce matin, il est en patrouille, il est normal que le ras-le-bol. Ouais, t'as bien raison de faire un live sur ta GoPro là, ta petite GoPro là, ouais, je suis le meilleur OMS, ouais, c'est ça. J'en ai plein de la casserole là. T'as un contre-sens? Là, c'est bon. Comment ça, je suis. Non, mais toi, mais je vais te baffer ici, toi. Vas-y. Non, pour l'instant, je peux pas. Voilà. Mais tu sais que toutes les aides ont été prises, hein. Ouais, je sais, ouais. Moi je reste sur le répondeur, sur le tableau de bord d'alerte, puis on attend. D'accord, vas-y. Tu vois, ça c'est de la conduite. Quelle conduite? Ouais, je suis les blues. Les blue blood. Non, je gueule. Chez les bleus? Tu fais quoi là? T'entendrais. Ah bah, j'ai pas vu celui-là. Non, on va voir les crypts. Ah, les crypts, c'est que. On a vraiment dû mettre l'extrême, hein. Mais toi, mais tu termines le meilleur MS, c'est là, avec pire, c'est ça. Les gens, c'est mon rêve, je suis mieux de la jouer, mais si c'est mon rêve, c'est pas moquette, ouais. À écrire. Comme là, voilà. Vas-y, je vais aller à droite. Vas-y. Ah merde, en plus, t'es pas là, attends. Wesh. Mais non, mais. Attends, c'est l'autre après, c'est l'autre après. Ouais, merde, ouais, je me suis trompé. Non, non, mais en fait, je voulais voir les crises, mais non, c'était plus à droite. J'ai confondu avec cette banque là, merde.
C'est pas encore là du coup. Ouais, je sais, non mais je sais, c'est le. Les blues, je sais où c'est, mais Crip, j'ai confondu. Parce que j'ai pas fait les gaffe, Crip, moi je sais c'est où. Bah oui, moi aussi je sais c'est où, mais j'ai confondu. T'es sûr? Ouais, ouais, je sais. Y'a personne dans les gangs. Vas-y, on va voir Crip, ça y est, attends. Sans GPS, hein. Sans GPS. Eh, tu mets le GPS, en plus, je t'ai dit. Là t'as combien de personnes qui regardent ton live là? Mais je suis même pas sûr si tu peux, si t'as le droit avec le responsable. T'as demandé au responsable? Bah pourquoi j'aurais pas le droit? Bah je sais pas, enfin... Des fois, enfin c'est ça regarde pas forcément les gens quoi. Ouf. On prend l'alerte. Ok. Vas-y, on prend la 29-37. Ah mais du coup tu live plus là? Bah oui, oui. Go, on va l'alerte, mais Jérôme. Ah tu l'es. Non, non, on y va pas trop loin. Non, n'y fais pas, c'est trop loin, c'est rien. Vas-y, merci. On peut pas, c'est, il aurait dû pas appeler le sud, il aurait dû appeler le nord. Sam, il y a le grand chef qui m'a écrit, puis vas-y. La 29-45. Salut, mec. Attends. Attends, je vais me garer, tu vas m'expliquer ça parce que j'ai bien l'intention. Vas-y, redis. Non, t'inquiète. J'ai juste le droit, juste. Du coup, il t'a dit quoi? Il m'a dit oui. Ah, ah que tu peux... Ouais, mais oui. Ah, du coup, là, tu vas re... Vous avez pris la... Ouais. Vous avez pris la 29-45? Je viens de le dire. Vas-y, voilà, pourquoi. Allez, conduis. Du coup, tu vas refaire un stream ou... Ah. J'ai encore mes GoPro allumés en ce moment, le camion. Hein. Ah, t'as encore les GoPro allumés dans ton camion? Oui. Ah ouais. Ah, mal du tiens. Tu peux enlever le GPS? Non mais justement j'y vais, c'est comme oui, ça. Oui mais ils ont déjà pris l'alerte, ils ont déjà pris l'alerte. Oui je sais mais j'y vais quand même, ça me patrouille un peu tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu vois je vais au point mais je patrouille en même temps tu vois. J'ai mal compris ce qu'il dit. C'est après, enfin c'est un moment ça la ramasse quoi d'aller tout le temps vers les gants. Ouais j'ai grave compris. Depuis tout à l'heure on faisait les balas et tout là c'est bon quoi. Ouais, grave. En plus, toi, tu t'y connais beaucoup, hein. C'est dommage que tu as pas dit ton deuxième point de rock, tiens. À l'autre d'avant. Bah ouais, bah, avec on connaît tout, hein. Vous connaissez le MS, vous connaissez tout. Genre, si demain je me lancerai dans l'illégal, par exemple, je peux te dire que je connaisserai tout, hein. Ah, mais tu feras ni EMS, ni les Speedy, ni Besso. Bah, Besso, peut-être que plus tard, quand je vais me faire renvoyer des EMS un jour, je vais donner Besso, je pense. Ah c'est un peu chiant d'être au nord je trouve. Parce que la ville c'est regroupé de personnes voilà quoi. Alors qu'au nord bah c'est un peu ville fantôme. Non pas trop. Mais en vrai le nord ils se font beaucoup appeler pour venir ici hein. On peut aller. Oh il y a les raquettes. Salut. La raison arrive. Et reverse. Le reverse. Non, je suis reverse. Arrête de faire ça, toi. C'est une ville fantôme, le reverse, je te jure. Tu les imites trop mal, mais en même temps, tu fais un peu le bâtard, tu vois. On va pas dire le contraire. Non, mais les reverse, ils sont pas professionnels, on va dire. Oui, Astikas. C'était qu'ils sont jamais là. Bah du coup ils sont juste si, là. Si alors là ah, ils sont juste dans les heures de pointe. Du coup ils sont dans les gangs quand même. Comment ça? Faut pas rentrer dans les quartiers. Bon on fait ça bien avec les balles, c'est tout. Genre. Non mais en fait, tu vois, il faut pas rester longtemps, tu peux patrouiller, mais tu vas pas t'arrêter et dire ouais bonjour. Non. Tu sais que la limite de vitesse c'est 80 ou 100. Hein. Tu peux aller à 100. Ouais.
Ouais, je sais. Bah... Ah, t'as dépensé que t'étais à 101. Oh, mais toi, je vais te chiffler, toi. Eh, hey, Nucky, si tu regardes mon live, possible que tu mettes mon live dans... dans le Discord, Stalia. Je peux gratter. Si tu regardes mon live. Du coup, là, tu streams, là. Ah. Puis, il y a le directeur qui t'entend. Et le directeur. On prend l'alerte 34-04. D'accord. Non mais c'est... Non mais elle est trop loin, on peut pas. Mais les filles sont bêtes, les gens. Allez, on la prend quand même. Drogue, en gros, la dernière. Bah vas-y, go, on y va, on y va. Ouais, mais on peut pas, c'est... Enfin, c'est... dans le nord. Ouais, c'est loin. On s'en fout, on y va quand même. Envoyez un message à la BCSO peut-être, ok. Vas-y. Vous leur dites... Tu me laisses conduire ou pas? Tant pis, de toute façon, on a rien à faire, on va y aller. Tu me laisses conduire? Tu me laisses conduire ou pas? Ah mais comme ça je connais un autre point de drogue. Ah mais tu m'énerves avec tes points de drogue là. Bah c'est bien des savons. Ouais mais c'est bon, tu te renseignes sur internet, c'est bon. On a compris ça. Bon. Non je rigole, t'inquiète, mais vas-y arrête ça, parce que tu vas te faire licencier toi si responsable c'est ça. Bah que je sais bien les points de drogue, bah c'est pas bien de me faire licencier genre. Ouais mais c'est dire que non mais c'est dire. Non mais c'est dire que t'es connaisseur dans l'illégal donc Bah non, c'est juste que la tombe de nombre de fois que j'étais allé au point de drogue pour sauver des gens. Ça veut dire que je les connais hein, j'ai les memories. Ah tu t'es rattrapé, t'as eu de la chance. Ah ouais. Du coup lui je les connais pas, puis du coup on a le même. Oula la voiture. Oulala. Là, là. Bah, c'est con parce que ça avance pas en fait. Oh, on va peut-être m'emmener une Dodge. Ah c'est chiant. Si on a une dette, c'est moi qui conduis. Mais tu vas, tu peux pas, il va te dire non, hein. Mais t'en es beaucoup, il va. Ça sert à rien. Moi j'ai hâte d'être médecin pour. J'ai hâte d'être médecin pour une Dodge. Ouais mais c'est pas parce que t'as accès à la Dodge que tu dois utiliser tout le temps, tu vois. La ouais. Dodge c'est si c'est éloigné, tu la prends. L'ambulance c'est un véhicule où tu dois le prendre de base. La Dodge c'est si c'est éloigné, tu prends la Dodge, tu vois. Non. Bah tu vas pas prendre la Dodge. Imagine on va être médecin plus tard, bah il y aura plus d'ambulance quoi, donc c'est un peu con. Ça va pas faire enfin voilà. Ouais, on va être en Dodge, c'est n'importe quoi. Et on va passer devant mon entrepôt. Comment ça? Bah j'ai acheté un petit entrepôt. Est-ce qu'on peut arrêter vite fait pour prendre de la bouffe et de l'eau? Il y a genre 300 bouteilles dedans. Mais pourquoi tu veux aller là-bas? Oh là là. Mais mon entrepôt! Bah, il est où ton entrepôt? Attends. Tu vois la petite boîte sur face? La verte? Ouais, la maison verte, ouais. Enfin, c'est en bas, là. Ouais. C'est derrière. Ici, là? Ouais. Va dans le chemin. Ouais. Chemin, avance. Tu vois sur le petit côté, il y a un truc? Ouais. Voilà, c'est là. Eh, tu veux faire quoi? J'en vais. Moi j'ai cherché un truc, j'ai cherché de l'eau, puis de l'eau. Ah c'est ton entrepôt. Ça c'est pas un point de regard. Ah ouais c'est chez. C'est bon, j'ai pris 30 bouteilles d'eau sur 160. Vas-y, go. Come on, come on. Yeah. Wesh. Oh, mais je connais si.
Ah, ça c'est quartier chaussée. Sérieux? Ah, bye. C'est pas genre les cases dans le Stra ou un point de drogue, un truc comme ça? Peut-être, ouais, mais c'est un quartier chaussée. Bravo, ouais, monsieur, monsieur. Attention là-dedans. Ah, c'est les losses. Ouais, allô, on a reçu un appel. Oui, il y a pas besoin de soin, s'il vous plaît. D'accord, attendez, on va se faire un petit peu loin. Attendez, on arrive. C'est un bon. Allez, on descend. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes madame du tabac. Ouais, c'est ça. S'il vous plaît, vas-y, on s'y va. C'est un quartier chaud ou pas? Merci beaucoup. Je suis désolée, mais je suis obligée. Ouais, ça va tirer. Ouais, je vois, je pars. Partez. Ouais, c'est un poche chaud. C'est qui a tiré là? C'est qui a tiré? C'est la madame. Non, ouais, ça m'a tiré. Elle m'a tiré dans les cheveux presque. On s'en va. Tu leur as mis, t'as mis 2500. Hein. Ouais, j'ai mis 2600. Ouais, c'est un poids. Bah oui, c'est un truc. Ça ouais, je vois la madame, elle a pas eu le temps. Hein. Je savais pas que les gens du tabac étaient si énervés que ça. Hein. On prend la l'air. On prend la 3955. Ouais, c'est qui nous met. Oh, dépassons tous. Parce que. Faut que je crée mon compte Twitch, mais là j'ai bientôt créé. Ah, mais j'avoue, je vais mettre sur YouTube et Twitch en même temps alors. Tu m'entends bien, collègue? Ouais, ouais. 5 sur 5. Demain, je vais faire un live sur Twitch. Parce que là, fallait que je mette mes settings sur Twitch. Puis il y avait des trucs comme ça, puis j'avais la flemme pour aujourd'hui. Et juste comme ça, on fait un petit live YouTube et après on va Twitch. Ouais, ouais, je t'attends. Est-ce que vous aimez mieux que je puisse être en trois personnes, en troisième personne ou en première personne? Parce que je suis meilleur en première personne. Quelqu'un a pris alerte? On a pris la genre de truc 55. Ouais, on l'a pris. Je suis au mécano, je vais rester parce que ça se casse la gueule. Vas-y. Je prends la 40 ou 41. Ok, nous on a pris genre la 55. Oh, ouais. Du coup on prend la 40-59. Hein. Non, on garde la même, on garde la même. Je trouve une vache. Oh, oh le veau, oh le veau. Oh le veau. Ouais, c'est la première fois. T'as des gibiers. Et on a vu un peu de la route, on a fait une chevreuil. Tu sais des chevreuils? On a vu des chevreuils. On a des gibiers qui traversent la route. C'est ton daron. Comment ça? Hein? Ouais, t'as dit daron là. Pourquoi tu parles de ça? J'ai rien dit. Attention. Bah quand même. Attention, je te taise hein. Ouais ouais. Tu veux que je te taise? Non. Ouais, je préfère. Aïe. Oh putain, mais ta conduite, merde. C'est bon, on a frôlé, on a frôlé. Ouais, le meilleur OMS de mon trou de balle, ouais. Non, je rigole. Non, ouais. Mais essaye de t'appliquer un peu. Non, mais Alexander, essaye de t'appliquer un peu plus sur la conduite là, parce que c'est un peu inacceptable. Okay. Parce que là, la conduite, oh, c'est bon. En fait, c'est des trucs à la con que tu prends des murs et tout, mais ça y est, wesh, tu freines. Hein. Ouais, mais j'aime pas l'ambiance. Bah, je t'en parle même pas de la Dodge alors là, toi. Non, la Dodge, je la contrôle bien. Ah, toi, t'es le sens de l'univers, toi. Ouais. T'as aucun sens de l'univers. T'as du mal à gérer l'ambulance. Ah, il merde, what the fuck? Vas-y, va le voir. Ah, je vais péter un câble, je trouve pas. Il y a mort, dirait que c'est pas possible. Vas-y, je sonne. Ça fait mal. Vas-y, c'est bon. J'en ai mort déjà qu'ils savent pas conduire. Allez, c'est bon. Ah, monsieur, vous prenez pour qui à faire. Ah, mais ils savent pas conduire. Ouais, elle est là la route, dans l'autre sens, elle est pas ici. Hein. En plus, on arrive en code 3, donc.
c'est pas du tout notre faute hein. Donc du coup bah si on vous soigne, vous aurez la facture avec hein. Bah c'est gratuit de toute façon. Non, vous en faites pas, c'est gratuit, mais voilà. Pour la réparation de notre véhicule, vous en faites pas. C'est pas grave, voilà, mais la prochaine fois, évitez de faire ça. Ah, ils savent pas quoi, ils jouent, la plupart de nos alertes, c'est des gens qui me font ce drame. Merci pour le paiement. Et par contre, je veux plus voir de. Bon, je suis pas esprit, mais enfin, j'en ai pas de voir des gens qui me font. Ouais, faites attention à vous quand même. Hein. Oh. Bah là c'est pas de ma faute hein. Non non c'est pas de ta faute. C'est de sa faute, il a fait du contresens. Et en fait bon. En gros il était dans notre sens et puis ensuite il a en fait il nous a foncé dedans quoi. Non il était dans le bon sens puis après il a tourné deux coups. Ouais lui. Ouais il nous a. Oh là là mais. Putain t'as fait encore se faire mais... Non mais la plupart nous a. Je te jure on a vraiment pas. Mais la plupart de nos accidents c'est vraiment les gens qui nous foncent dedans. Ils savent pas qu'on joue, enfin ils ont eu leur famille, je sais pas où. Non mais de toute façon parler dans cette vie on a, tout le monde a le permis de toute façon. Ouais mais ouais donc déjà ils ont le permis à 17 ans. Là c'est maintenant bon. Ah c'est les rovers en plus. Oh là là. Pour eux. Oui messieurs. Yassine, je vais aux EMS pour faire une radio et une opération. Si, enfin oui. Ah bah si. Je m'occupe de oui, vous. Oui, oui, oui. On est dans un quartier de Los Santos, mais. Un quartier chaud. Non, tu vois que ça tire si, là si. Ou quoi. Ça tire là ou quoi les non, gars. Non, mais en fait, vous comprenez pas, monsieur, mais. C'est votre quartier ici, donc bien sûr que c'est un point chaud ici. Merci pour le paiement. Ouais, d'un. Vous avez quel âge, monsieur, pour être pas être discret. Pourquoi? Vous avez quel âge, monsieur, pour ne pas être discret? Pour ne pas être discret? Bah, pour être. Si c'est pas indiscret, vous avez quel âge? Ah, 18. Vous êtes même pas majeur. Ouais, monsieur. Ouais, et juste lui, il a un pro. Il est. Ouais, non, il se fait un. Enfin, là, il est sur son téléphone, tu vois, il commande du barite. Fais-lui la facture, il paiera après. D'accord. Tu diras à ton copain qui paye aussi sa facture. Ouais, il paiera. Voilà, c'est bon. Ouais. J'ai mis de la bonne pommade, normalement ça devrait y aller. Dites à votre collègue, enfin à votre copain qu'il fasse. On va aller au Guinée, c'est qui pour réparer. Ouais, bon, nous on doit y aller dans les alertes. Tout le monde, si les gens ils disent qu'ils sont 18 ans, vous devez pas les endormir complètement. Pour les trucs. C'est 21 ans, vous êtes endormis. Parce qu'on était aux États-Unis. Tu sais que aux États-Unis, bah du coup ici. T'as dit quoi, excuse-moi. En gros, on a pas le droit d'endormir les gens s'ils ont moins de 21 ans. Complètement, je veux dire. On a le droit de les geler. On n'a pas le droit de les endormir quand on fait des opérations. Parce qu'ils sont encore mineurs. Voilà la loi légale. Oh là là. Anesthésie. Oh là. Ouais, voilà. C'est ça, ils vont souffrir pendant leur opération. Non, j'avoue, il faut les anesthésier, mais s'ils ont pas 21 ans. On peut pas les endormir complètement, mais on peut juste les anesthésier. Elle a dû voir ça sur le net, lui. Non, même pas, c'est juste comme ça. Tu sais, cette ville-là, elle est différente que celle d'autres villes, tu vois. Donc, Putain, les États-Unis. En plus, j'ai encore niqué sa chignole, mais toi, mais j'en ai marre, on va se faire mal voir, là. Oh, non, je m'en fous, le nombre de fois que j'y vais. Encore une réparation. On en peut plus, toi, putain. Encore une réparation, s'il veut prendre un croissant. En plus, c'est vous qui répare notre véhicule depuis tout à l'heure, non? Ouais, peut-être. T'es bien usé parce qu'on peut pas les facturer. Inaccessible, quoi. Inacceptable. Ouais, Jay me fait foncer dedans aussi, hein. Une chose qu'on paye pas les factures, c'est qu'on était aussi. Sam! Je sais pas. Sam, ouais. une chose qu'on paye pas les factures, hein. Juste qu'on a pas de facture pour les services. Sam, on a déjà payé 5000 balles de facture. Hein. Si, c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est mon collègue, il a une conduite, on vient tout le temps à cause de lui là. Bah, désolé de me faire foncer dedans aussi. Hein. Non, mais en fait, je vous comprends, moi, je vais pas vous mentir, mais moi, je pense sur tout le monde. Et je vous comprends. Ah, mais moi, j'arrive pas à me faire foncer dedans. Sur des gens, quoi.
Non, quand il m'énerve, moi. Ah, ok. Tu vois, comme ça, ils ont trois à l'arrache. Et après, moi, je vais me faire des réparations gratuites. Vas-y, on y va. Je prends l'alerte 48-30. Ah, bah, c'est. Laisse tomber les bénisses. T'abuses, pourquoi tu as tué? T'inquiète, il est pas mort, il est pas mort, il a rien. Elle a juste fait. Ça va, Noah? Noah, t'es fragile. T'inquiète, ça peut y aller. Hein. Non, mais Noah, vas-y, tu peux me soigner un petit peu si je manque un peu de nutrition. Ouais, ouais, ça va être très étonnant. C'est Noah ou c'est Luna la gonzesse? Oh là, c'est la gonzesse. Oh! Dernier! Oh! Monte, Sam! Sam, monte! Envoie-le-moi vite sur la visée, du coup. Fonce dedans, ça va être un coup de taser. Alexander! Il me cherche lui, il veut que je descende son véhicule. Vas-y, Balthazé. Allez, viens, Sam, monte. Je vais te rajouter un an de plus. Attends. J'ai crevé un pneu, je vais te donner un motif pour faire une réparation. Un an de plus, hein. C'est même le. Ah merde, commence à nous faire chier celui-là. Là. Viens, l'être pas chier qu'avant. Allez, prends les alertes, vous deux. Ouais, attends. Allez, prends l'alerte. On prend l'alerte 49-58. Allez, monte, Sam, on a une alerte. Allez, monte, Sam! On voit Radio D, hein. Puisque... Non! J'ai dégagé Alexander de son véhicule. Vas-y, qu'on va à l'alerte. Max, pour l'instant, il me paye moi parce que putain, tu fais un. Oh, tu fais chier. Il fait que je suis en train de m'occuper de tous ces soignés au mécano. Non, vas-y, c'est avec. Mais tu sais quand même, c'est quoi mon nom sur A2D, non? Je prends ça pour un nom. Bon, envoie un message avec ton prénom et nom. Comme ça, je te. Ouais, c'est bon, c'est bon. Sam! C'est bon, j'ai reçu, attends. Sam! Va voir sur la radio D principale, tu vas dans le stream. Sam! Oh, t'es où en fond? Sam! Ouais! Va voir sur la radio D principale. Je m'occupais de ce type. Comment ça? Va voir sur la radio D principale. Alexander? Tu vas sur le truc Instagram stream. Ouais, j'arrive. Il est comment? Mais t'es où? Ouais. Je viens où? Ramène Sam, je vais m'occuper de lui. Ouais, mais on est au Belize. On est pas au Belize, on est je sais pas. On est au Messe. Oh, laisse tomber. Pas trop vite. Oh, come on. Tu connais la DXRS? Viens. En plus, tu rigoles, toi, je dégage ton véhicule, ouais. C'est niqué. Allez, viens, monte. Comment c'est pour me dégager, what the fuck? J'en ai marre que tu conduises. J'en veux plus, j'en ai ras le cul. C'est pour ça que je conduis. Ok. J'ai niqué la vidéo. Ah, vas-y, attends. Attends, je vais ajouter Max, attends. Ouais, je vais t'ajouter Max, attends. Vas-y. Mais pourquoi y'a quoi?
Ouais, normalement je vais t'appeler Max, tu me dis c'est toi. Oui, alors je cherche quelqu'un pour me soigner s'il vous plaît à l'hôpital. Ouais, bonjour, j'y suis là. Alors là, toi, si je te retrouve, hein, ta soeur. Hein. C'est magnifique. Ça me fait mourir, je voudrais avoir ta gueule. Hein. Mais toi, mais. J'arrive au mécano, je vais te gifler. Attends, je vais m'occuper de lui, attends. Attends, je vais remettre ça. Ah merde, attends, il a mis un message en plus. C'est quoi toi? Yassim. Ah Yassim, attends. Merde, il faut que je me gare, attends. T'inquiète, hein, ça va prendre un peu de temps. Je vais remettre les facts. Voilà. Attends, je vais sur A2D, attends, je reviens. Tu veux conduire, collègue? Collègue! Alexander! Non, conduis! Ouais, attends! Attends, j'ai un appel, attends! Attends, j'ai... Ah c'est bon, je viens de voir sur la radio D ton le truc là. Qu'est-ce qu'il veut avec sa chignole de merde lui. Ça me fait rire quand il est trop vénère. Oh, tranquille lui. Oh. Ouais, je calme tout un peu. Attends, ça... Parle pas chinois. Yo les collègues. Quoi, pourquoi tu fonces dedans comme ça? Je l'avais pas vu. Ah bah non, mais c'est vrai de le. Je suis à quoi toi? Oh non, t'en vas pas là. Vas-y, je vais conduire. Laisse-moi vraiment conduire là. Tu casses les couilles, mec. Là, vas-y, j'arrête. Juste. Le taser. Le coup de taser. Et t'as vu, je suis un là. Non mais j'aime bien, non je sais quoi. Non ça me fait rire quand tu réagis, mais non vas-y t'inquiète, je vais arrêter. Putain, prends un nouvel alerte. 15 de alerte 56-46. On prend la 56-46. Yes man. Oh, ça combien de temps qu'on patrouille là? Comment ça? Ça combien de temps qu'on est en service? Attends, je vais voir ça moi, attends. Alors Alexander, ça fait depuis une heure qu'il est en service. Vous occupez des alertes. Les deux sont au même endroit. Non, j'ai code. Attends, je vais te compter ça. Ça fait... nous deux, ça fait 3 heures qu'on est en service. Ouais, c'est vrai que t'es toujours en service. Seulement ? Ça fait depuis 3 heures qu'on est en service, ouais. Mais ça fait seulement ça ? Ouais. J'ai l'impression que ça fait 2 heures. T'as dit quoi ? J'ai l'impression que ça fait 4 heures que je suis en service, même 5 heures. Elle a l'ambiance, elle veut pas avancer, frère. 609 Rogers. Je fais ma demande pour être streamer sur Stadia. Je vais commencer Twitch demain. Endersoot. Hey, j'ai mis stylo dans mon sac cadeau. Ouais. On va sur les alertes et le pop pop. Fais un freestyle un peu simple. Prenez la dernière alerte. Ouais, prenez la dernière là. Nous on est au niveau des magasins masques. Et puis à côté. T'as vu, je conduis bien.
Ah ouais, un truc de pro. Non, vas-y. Ah, un truc de masque, oh là là. Oh là là, les problèmes. What? Oh là là, mais. Bonjour! Moi, t'écrases un moldu, toi. Ah, monsieur, c'est fait. Voilà quoi. Ta gueule, il est rien. On parle mieux déjà. Comment ça va, dit ça. Ta gueule. Mais dis ta gueule, le fou. Non, non, je parle à côté, excusez-moi, mais. Ouais. On va quand même y aller, puisqu'on va faire le travail. Ouais. Voilà, bien, dépêche-toi. Voilà. Ouais, je vais des soins, s'il te plaît, Ouais, vas-y, je m'occupe de toi. Bien vu. Monsieur, il s'est passé quoi pour que soyez par terre? De quoi? Il s'est passé quoi pour que soyez par terre? Descends. T'as dit quoi? Il s'est passé quoi pour que vous soyez par terre? Oh, petit combat. Combat de rue, combat de rue. Ouais, avec du sang. Tu peux t'écarter, s'il te plaît? Vas-y, on se met là. Attends. J'attends, collègue. Hop là. Vous avez pris l'alerte 5706 et 5806. Oui. Ah merci. Ok. Vas-y, monte là-dedans. Monte dans la chine. Il y a des gens qui tuent des moldus, alors ça me fait rire. Toi t'en mets un moldu, hein. T'as dit quoi là? Hein? J'ai dit que t'es un moldu. Ah? Bah ouais. Non mais redis. Je disais que t'étais un moldu. Moi je suis un moldu, bah descends. Descends du vécu, je vais te mettre un point dans la gueule, moi je suis le mien. On va en. Vas-y, non mais descends. Non. Descends. J'ai tant de coller une, ouais. Quand même. On prend l'alerte. Ouais, on prend l'alerte 0045. Ok. T'as une moldu. C'est toi le moldu. Ouais, c'est nous deux les moldus. C'est lui le moldu. C'est qui le moldu? Je sais pas compter. C'est toi le moldu. T'as pas vu comment tu comptes après? C'est tu toi le moldu. Hein, t'es fou. Hein. Mais c'est toi le moldu, wesh. Tu es malade. Dumbledore. Arrête ça là. Arrête-toi là. Ah, oh, c'est le. Papy là, trop belle. Ouais. Mais vas-y, mais. Non, t'en fais. Six one amen Rogers. Bonjour monsieur le papy. Bonjour monsieur. Ah, c'est pas papy. Ah, merci beaucoup. Attendez. Allez, je vous ai mis la facture combat. C'est Alexander Fields. Je vous ai. Attendez, ça tire là-bas. Alexander Fields. Vas-y, mais ça tire pas, c'est l'amination, t'es bête ou quoi? Du coup, l'amination. Du coup, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi ça tire? Ah, mais c'est normal, c'est l'amination, ça tire, c'est normal, y'a un stand de tir là-dedans. T'es con quoi? On a pris une alerte, on me dit Bimco, pas Mélisse. On prend la 0145. Faut bien juste la prendre. 46 du coup. Bon monsieur. Je vais prendre son pouls, ok? Je prends son pouls au niveau du bras. C'est toi qui je lui fais massage cardiaque ou c'est toi? Ouais, fais le massage cardiaque puis ma fonction. Ouais, vas-y. Le pouls est stable, ouais. Je répète, le pouls est stable, tu peux y aller. Fais-lui le bouche à bouche. Voilà, c'est bon. C'est carré. Monsieur, vous avez la bouche qui ouvre, mais on vous entend pas, quoi. Merci pour le paiement, mais on vous entend pas. Bonne journée. Allez, là. Oh, c'est bon, là. Ouais. Ismax et Hanson, je reviens. On prend l'alerte. Vas-y, je conduis.
Non, mais vas-y, prends-la, prends-la, prends-la. Vite fait, je suis un petit. Je peux vite mettre un truc, un problème dans ma tête. Vas-y, Max. Prends la LR 0309, tu peux la prendre. Switch, c'était tout à l'heure. On peut apprendre la nouvelle alerte ? Bah, de toute façon, on est à côté. Qui a pris la 0309 ? Moi, à l'instant. Bah, on est juste à côté, nous. Bah, je suis Vas-y. Bah, prends la pointe. On peut le prendre. Bon, on y va, toi, on y va. Ah, tu sais pas conduire. Mais c'est normal, je suis en train de parler à la radio, espèce d'abrute. Bah, même moi, quand je parle à la radio, j'y vais. Vas-y, je te laisse le faire. Bon, je vais prendre son pouls, comme d'hab. Ouais, moi je vais réanimer, c'est ça. Enfin, je dois le massage cardiaque. Non, je vais faire. Je vais le masser. Vas-y. Voilà, ils sont plus corrects. Je vais le masser. Vas-y. Ah, il est là. Ah là, monsieur, vous sentez mieux maintenant, monsieur? Bah, si, tu as mis la facture. Hein. Ouais, ouais. Un peu bizarre. Il va pas aller loin comme ça, lui. On prend l'alerte 0443. Vous entendez? Oui. Ouais. 5 sur 5. Allô? Oui. Ouais, c'est le petit morceau que je m'entends. Ah, c'est PDP en plus. Ouais, ouais. Son PDP. C'est derrière. Non, je pense pas que c'est derrière, attends. C'est derrière. T'es sûr que c'est derrière? Oui, c'est derrière. Mais non, mais... Oh là là. Mais oui, c'est derrière. Mais oui, c'est derrière. Mais oh, oui, là, c'est moi. Je vais montrer ce que c'est derrière. Ouais, voilà, et regarde derrière. Ah bah non, y'a rien. Zentre. Pas disparu. On a reçu un appel. Bonjour. Ouais, c'est moi. Ah, vous avez mal où? Ouais, de l'autre côté, les gars. Comment? Oui. Vous avez mal où? Là, l'agent m'appelle. Genre, mais c'est passé quoi? Okay. Je me suis tordu la cheville. Ah. Et du coup, je suis tombé en même temps dans l'escalier. Ah. Bah, je vous donne c'est pas mal, une petite crème, puis un petit pansement et Kitty. Voilà. Ah, parfait, merci. J'ai besoin de payer ou pas? Non, bah non, c'est gratuit pour vous. Ok, merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Bon, là, tu me laisses conduire. Non, tu me laisses conduire. Non. Tu casses les couilles. On prend l'alerte 06. Tu la prends, vas-y, prends-la. Vas-y, je vais être conduire. Mais toi, tu conduis mal, toi. Je conduis bien. Ouais, c'est ça, ouais. Le meilleur OMS, toi, qui conduit mal. Est-ce que la 0640, elle est prise? C'est les mêmes que la 28. Ok. Donc, ah bah, on va prendre la nouvelle alerte, alors. Vas-y, on prend la nouvelle. On prend la 0653. Ah, c'est la même. Ils sont chiants, un peu, des gens qui spamment nos alertes. Attends, j'ai un problème de mon côté, là. Attends. Ouais, c'est nickel. Ça me gratte juste le pouce. Ah, c'est bon, c'est nickel. Allez. Allez, go. Du coup, vas-y, mets-moi l'alerte. On prend l'alerte 0718. Bah, toutes les alertes sont au même endroit. Bon, on va au bing. On va au bico. On prend la lettre 0333. Ok. Toutes les alertes, c'est les mêmes, ok, parce qu'il y a 5 alertes. On n'a plus d'alerte. Les 3 dernières alertes au bingo, c'est les mêmes. Ouais. Bonjour monsieur, elle a fait le bruit magique, ça. Ah merde. Vous avez quand même son idée, non? Non, on n'a pas eu le temps. Ah dommage. C'est chiant, ça. Ouais, bah de toute façon, il me semble qu'il va revenir, toi, ça, en moment. Ouais, je
Ouais, je sais pas, ou alors il est parti en prison. Ok, ah ok, ouais, bonne journée. Bah, soit bonne journée, mais... Ah, attends, je vais conduire, attends, je vais te faire dégager. Attends. Non, non. Non, je rigole. Non, je rigole. En vrai, ce que j'ai fait avant quand je te dégageais du véhicule, on peut dire que c'est chiant de faire ça, tu vois. Ah, mais pas bon, tu m'obliges un petit peu parce que vu que je sais que tu conduis mal, tu vois. Donc, Non, je conduis bien. Mais regarde, il prend deux voies le ton ambulance là. Non. Toi, tu kiffes les rovers, toi. Ouais, c'est mes frères. Je dis tu les détestes, mais qu'est-ce que tu non, fais, mais... on va pas viser. Non, mais toi, mais... Ouais, le meilleur OMS, hein. T'es encore en stream, du coup? Bah ouais. On prend l'alerte 0920. Ah ouais, bah oui, bah oui. Bah arrête de dire ça, là, c'est vrai qu'il est bizarre. Comment j'aurais ça pas dit, j'aurais pas dit de le dire. Mais du coup, du coup ta GoPro elle est encore allumée? Ouais. J'ai une GoPro dans mon pantalon aussi. Il y a combien de vues là? Il y a combien de gens qui regardent? Attends, j'ai même pas vu, attends. Il y a combien de personnes? Il y en a un. Salut Shadow. Bah c'est toi le pro, le 1. Non, non, mon beau. Okay. Oh, il y a plus rien. On va prendre l'alerte. On va prendre l'alerte 0950. Ah bah, l'autre là, le mec torse nu, okay. Je pense que c'est lui, c'est... Non. Non. Il y avait un mec torse nu qui marchait sur la route, il levait les mains. Il y en a deux. Ah, ça c'est un braquage. Ça. Ouais. Ça sent. Oh, ça c'est un braquage de flic à banque. Oh là là. Non, pas le banc, pas le banc. Alexander, mais nous sommes sur un braquage de flic à banque, je répète. Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur. Ah, c'est bon, ça va. Ça va, ça va. Parfait, vas-y. Ah, c'est vous qui avez appelé le MS? Oui. Tu vas le faire après la 10-20 ou pas? Je vais prendre la 10-20. Je crois que je m'occupe de la 10-20 et puis de faire le central. Vas-y, on a une alerte. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, t'es au niveau du parc central, la 10-20. Ouais, bah y'a rien du tout. Tiens, je suis là. 6-1-9 Rogers. Vas-y, on va aller un petit peu en sens. Premier live, aïe. Oh là là, mais Alexander. Abuse. Non, mais t'abuses, sérieusement. Comment ça t'abuses? Non mais tu te fous de moi toi? Ouais. Va au mécano là, tu vas me réparer ton véhicule, on dit que c'est toi qui a conduit. Hein. Enfin non. Même, je sais même pas pourquoi je dis ça, mais c'est toi qui a conduit, tu vois. Non non. Bah si. T'as conduit aussi. Ouais mais moi j'ai pas fait ces dégâts là, je pense pas, non. Si, si si. Non, c'est toi. Meilleur MS de rien du tout. Mais regarde-moi ça ce MS là. Ah bah y'a encore Max qui squat, tiens. Salut Sam, a tout défoncé le véhicule. Mais lui, je vais le gifler ici, lui. Mais c'est lui qui conduit depuis tout à l'heure, après il dit que c'est moi qui casse sa chignole, là. C'est toi qui a le son véhicule. Ah bah tu diras ça à mon collègue Alexander. Alexander, ça s'est touché, hein. Voilà, ouais, c'est bien, madame. Bonne réflexion. Elle a dit quoi? Je sais pas conduire. Bah oui, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais toi depuis tout à l'heure? Tu fais aucune alerte? Pas de message. Moi? Non. Évidemment, vas-y, c'est utile parce que des... il y en a une réparation et bah, c'est limite, vu que vous me voyez, il me fait bah, je vais voir en ce moment. C'est au final. C'est un torche, l'autre. Vous allez me faire.
Non. Oh, oh le coup. Wesh. Vas-y, j'ai pas eu ce. J'ai pas fait exprès. Eh, vous sortez les armes. What the fuck? Est-ce que tu peux réparer notre véhicule, s'il te plaît? Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu peux réparer notre véhicule, s'il te plaît? Vas-y. Vous pouvez me soigner, s'il te plaît? Un coup, madame, parce que vous avez un chewing-gum. Ouais, oh, c'est Sam. Vous avez un chewing-gum au pied, c'est fou. C'est comme pour tout à l'heure, c'est comme pour tout à l'heure. C'est comme... Ah, c'est nickel, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quoi, moi? Oui. Ça, t'arrives à gérer ton service? Tu veux des soins? Ouais. Moi j'en veux, moi j'en veux. Pendant que t'étais au désert là. Il y a soin moi. Ah Je vais soigner s'il te plaît. Quand ça? Hier soir tu sais on était au désert là puis il t'a laissé. Tu insultes encore une fois. Ah, après. Est-ce que je t'ai insulté? Je chante. Après on va demander à quel là. On l'a pris, on l'a testé un peu. En mode D. On l'a testé, on s'est amusé. Et il s'est dit que c'est dans la tête, j'ai vomi sa mère. Il l'a mis un peu partout. Voilà. Donc je suis parti de lui. Voilà. Qui c'est qui parle? Merci beaucoup. C'était là pour critiquer. Vas-y, Sam! Ça monte. Non, je vais te rester là, il y a aucune alarme de toute façon. Ah si, merde. Non mais attends-moi, attends-moi. Oui. Monte. Elle est réparée le truc. Ouais ouais, elle est réparée. Ah ouais, comment ça? OK. Ouais ouais, elle est réparée, vas-y. Quelqu'un a pris la 1344? On prend la 1344. Go. 619 Rogers, let's go. J'ai aimé comme j'en pourrais faire ça. On vous laisse l'alerte. Max, depuis tout à l'heure, tu fais quoi là? Tu squattes de mécano ou quoi? Je squatte pas, je soigne des gens, c'est un moment. Depuis tout à l'heure, je suis en train de que soigner des gens. Ah, parce que. Enfin, ça fait quand même un bac quand on était au mécano, puis qu'on te revoit encore. Donc. De toute façon, je suis à 15:35, ouais, 33. Il y a la SPI. Ok. D'accord. Bien reçu, chef. Ah mais c'est encore le même endroit mais... J'ai on a toujours cet endroit mais... Je sais pas ce qu'ils font. C'est le meilleur endroit pour torturer les gens, j'ai l'impression hein. Ouais voilà c'est ça, c'est ça. C'est toujours la même pour les otages et tout. Je vois, ça se trouve on va trouver les victimes là-bas. Hein. Et il est encore en service là, Simon. Et on l'entend pas à la radio lui. Yassim, t'es toujours en service? Yassim. Encore des gens qui se font victimiser. Ah, parce que depuis tout à l'heure on l'entend pas, mais enfin sur Radio D il a mis sa prise de service. Va mais le voir, pas va le voir sur la Radio D et demander s'il est encore. Ah. Ouais, si je vais le voir. Pourquoi? Monsieur? Merci beaucoup, monsieur. Je vais la mettre sur Radio D avec lui, attends. Il s'est passé quoi? Un monsieur m'a totalement braqué et il m'a crié dessus. Ils avaient des descriptifs de la personne? Non, il avait un masque. Non, mais comment il est habillé? Tout en noir, masqué. Tout en noir, parfaitement noir. Et la voiture? Monsieur, la voiture? Bah, quelle voiture? Mais la voiture qu'il y avait. Je vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Bah, une voiture, il vous a pas braqué à la main, il vous a braqué avec une voiture aussi. Une voiture, il avait une voiture, une Courman noire. Ah, ok, ok, c'est bon, je sais. Vas-y, bonne journée. Vous avez besoin qu'on vous reconduise? Hein? Vous avez besoin qu'on vous dépose à un endroit? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Vas-y, monte à l'air. Vas-y, collègue, on va. On se met en code 2. Collègue, viens. Sam. Oh, j'ai pas fait exprès. Sam. Yassim ne répond actuellement pas à Radio D non plus. Sam. Ok. Yes, Sam.
Samu. Samu. Samu Scooby-Doo. Vous voulez qu'on vous dépose où, monsieur? Bah, aux EMS, justement. Ah, pas de problème. Ouais, attends, du coup, je reviens, mais en fait, c'est passé quoi, collègue? Il s'est fait kidnapper par la même personne, puis ils l'ont braqué. Puis là, ben, on a la description de la personne depuis tout en noir, dans une cour au manoir. Ah, ben ouais, je les connais, c'est les Crips. Crips? Ouais, pas tant. Ouais, les Crips, ouais, c'est... C'est des chips. Non, quand même, non, faut pas rigoler avec eux. Ok. Mais du coup, monsieur, en fait, c'est passé quoi? Ils vous ont pris en otage, puis en fait... Non, juste, ils étaient en train de rouler à balle en moto. Ils se sont mis devant moi. Ma moto, elle s'est envolée. Et ils m'ont dit de rentrer dans la voiture. Et après, j'ai pu opérer tranquillement. Ils m'ont demandé la moitié de mon argent. J'ai pu opérer. Et juste après, ils me mettent une balle. Ah, ok. Bon, monsieur, je vais vous donner une balle comme ça, quoi. Genre une. Un petit cadeau supplément, chips. Allez, on y va? Du coup, vous voulez qu'on vous emmène à l'hôpital? On va extra la balle, non? Oh, le truc. Bon, Max, je te laisse avec lui si tu veux extra la balle. Non, ouais, non, c'est bon. C'est bon? Vas-y, bébé. Quoi? Sam, hein, c'est pas Max, hein. Oh là. Bah, vas-y, Max, Sam, montre. Non, parce que j'ai posé une candidature. J'aimerais qu'on en parle. Est-ce qu'il a accepté ton CV ou pas? Je voudrais le voir en personne pour lui montrer directement. Mais non, mais il faut que tu fasses un CV, tu craques sur la deuxième. Mais est-ce qu'il a accepté ton CV du coup? Je sais pas. Bah, il faut attendre. Okay. Merci, monsieur. Je pense que ça ferait peut-être ce soir, je sais pas, on verra. On prend l'alerte 20-32. Oh là là, le pare-choc qui avance, il n'y a plus un pare-choc là. Bah oui. Mais toi, mais t'auras des problèmes, hein? Non. Non, pas de problème, mais par rapport à la conduite, ouais. Bah non, je suis correct. Mais regarde-moi ça, mais. En vrai, je me débrouille. Ouais, on va faire ça, ouais. Alors, regarde-moi ça. Ça, c'est un cool. 20-41. Nous on a pris la 20-32, je crois que c'est au 32-20, je sais pas. Ok. On se teste cette influence de la S. On prend la 21-17. Bon, on est déjà sur la... Ah, je les connais, c'est mes amis. Bon, on va t'inquiète, mais je me cherche, c'est avec... je les connais. C'est tes amis Ouais, c'est mes amis. C'est Emily. Mais tu ne connais pas. Il y a Eden, Emily, Jackson. James. Bon. Oh là là, mais ta conduite. Ah, mais c'est Emily. C'est Emily qui est par terre. Bonjour messieurs, vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Elle a chuté du toit en fait, elle a glissé et elle voulait faire du parcours et sans faire exprès en fait elle a glissé et elle a cogné un peu le rebord je crois. En fait elle a été sur le balcon quoi. Ouais non et du coup en fait bah, elle a voulu sauter je pense et du coup elle a glissé sur la rambarde et je crois qu'elle est tombée en fait. Mets-moi la facture, mets-moi la facture si tu l'as pas mis. Pas tard. Vas-y. Bah je l'ai mis une coupe, attends, je la facture aussi. Mais non, mais ouais, Attends, ça fait 10 000 là! Bah vas-y, soigne-moi alors! Moi aussi, il faut des soins. Vas-y, je m'occupe de toi. Allez, le médecin là. Et il veut te monter le grade aujourd'hui, par contre, moi. Ça va les jumeaux? Tranquille? Jumeaux ou non, on est pas des jumeaux? Voilà! Qui non, je parle de celui qui est à ma droite et celui qui est juste derrière vous. C'est bon, je suis là. Ouais, c'est des frères. Ah ouais, j'avoue. Vas-y, monte, Sam. Sam et Squidoo. Moi, c'est ambulancier, les deux.
vous savez que vous avez pas le droit d'avoir le manteau. Hein. Ah, mais ouais, non, mais enfin. Exactement. C'est des vêtements quoi. Enfin, voilà. Oui, mais t'es au courant. Parce que en fait, le grade médecin, il a le manteau. Genre là, ouais, mais c'est. Non, mais vous savez pas, monsieur. Non, mais Jackson, du coup. On peut pas. Pas besoin de crier. Pas besoin de crier. Non, c'est directement là. C'est Alexandre. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mais oui, mais du coup, les gars, vous avez pas le droit d'avoir ces vêtements. Non, mais c'est juste que ça habite directement avec la tenue. Ouais, voilà, c'est ça. C'est oui, mais. De... Oui, mais... Regine, mais ça, en fait, ça marche pas comme ça. Mais ça marche pas comme ça, les gars. Prenez votre service. Bon, on est comme à la maison. Quoi, non, mais ils savent pas. Fait complètement. Non, mais oui. Ouais, ils comprennent pas. Bah, Jackson, c'est un ancien MS. Vous avez pris la 21-7? Oui, comme qu'elle avait été prise. Ok, bah moi j'en ai plus aucune alerte. Je vais encore le mec là, putain. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de sang là. Hmm. Je dois aussi réparer l'ambulance. Il y a le pare-choc avant qui tient plus. Ah, ok, carrément. Là ouais Samy tiens voilà tiens le Samy qui t'a mis dans ta gueule tiens voilà ta conduite inacceptable quoi, vas-y laisse moi conduire sinon je te dégage Samy. Encore je vais te dégager. Non ouais je vais pas le faire parce que sinon je vais appuyer sur press sur la clanche et je vais voilà quoi. Samy Alexandre. Ah, Alexandrie, Alexandre. Faites du bruit. Vas-y, avant, on va à l'accueil. À l'accueil, à l'accueil. Range le véhicule, range le véhicule. Quoi? Bah, on va faire une petite pause, non? Non, tu veux juste prendre ton véhicule, hein? On prend une fin de service? Tu veux prendre ton fin de service toi? Bah si tu la prends puis on reste à deux, oui. Bah ouais, c'est quoi la moto là? Attends, vas-y range le véhicule après on va voir la moto parce que j'ai pas eu le temps de la voir. Viens, on va la voir. Mais tu sais, ils ont incompris sur nos vêtements, ils ont dit ouais, vous avez des vêtements, mais, ouais. Mais ils savent pas que c'est pas nous qui gèrent les vêtements quoi. Non mais t'es malade toi, non mais... Attends, je passe... Oh putain, ils arrivent en plus. T'as un baiser toi, mais... On prend ton ambulance. Tu veux prendre mon ambulance? Bah oui, c'est que je voulais, non, voilà. Mais je reprends une fin de service ou pas? Tu reviens toi? Je pense vers 18h peut-être. Il est par contre, il y a... Yassim, est-ce que tu réponds à la radio? Bah je vous entends pas radio. Est-ce que t'es encore en service ou pas? Oui, là, je suis à l'accueil. Là. Mais oui. Avant, est-ce que t'étais en service ou pas? Quand? Vers 16h, t'étais en service ou pas? Vers 16h? Ouais. Bah oui. Je vais la voir, Alex. Parce que depuis tout à l'heure, on essaye de te répondre à la radio, tu nous réponds pas quoi. Ni à la radio D. Bon, moi je suis chaud de prendre ma fin de service, puis on fait d'autres choses. Ah, tu veux après, dire tu veux... quoi, fin de service? Bah, je sais pas, tu veux faire quoi, fin de service? Ah, peut-être aller au concessionnaire pour voir un véhicule, je sais pas. Meuf qui aime acheter ma truc, mais je sais pas si je vends mon véhicule full custom. Je sais pas si c'est rentable. On prend la fin de service? Après je me dis... Yassim, tu viens d'arriver en service ou pas? Non, ça fait depuis longtemps. Mais moi, on t'a ni entendu parler, ni... En gros, t'es un petit peu fantôme. Quoi, ouais, ouais. Oui, ben c'est juste que ma voix, elle marche pas bien, parce que je l'ai montée.
Ah, mais okay. Je suis en service depuis 14h au moins. Ok. Tu veux pas mettre ton fin de service comme ça, on s'amuse un petit peu hors service, non, si tu veux? Je sais pas, hein. Vas-y. Bon, on est à 3, vas-y, on va s'éclater, les mecs. On va, je vais ranger mon ambulance. Ouais, moi. Allez. Oh là là. Vas-y, vas-y, range ton ambulance, on prend le fin de service. On prend tout le fin de service? Vous avez pris les alertes? Non, bah, moi, celle là qu'on va... Ouais, on va prendre le fin de service, on va s'amuser. Alexander, Sam et Yassim prennent leur fin de service. Ah yes, vous me laissez solo. Ouais, Alexander Fils prennent fin de service. Mais toi, tu squattes le mécano depuis tout à l'heure, donc... Ouais, donc moi, merci, je soigne des gens. Max, demande la Dodge. Je vais faire. Ah, voilà. Fin de service, ça veut dire 17. On a un peu marre, on aimerait bien s'éclater hors service, tu vois ce que je veux dire. Nombre d'heures. Notre collègue. 4 heures. Tu peux venir avec nous, Max, hein, si t'as envie de t'éclater avec nous. J'ai loupé la sortie. Non, t'inquiète. Pita, elle est pas là, quoi. Oui, 4 heures. 3 10. Bien sûr, je veux pas 4 heures. On va mettre. Non, oui, 4 heures. 4h10. Ah, gros, j'ai fait 4h10 de service. Ah, la tenue de plou, quoi. Ouais, j'étais ma radio. De quoi la tenue de plouc par contre, j'ai pas aimé. Yassim. Je pense que je vais m'acheter la Givolor tout de suite. Puis voilà. Yassim ? Ouais. C'est ton véhicule, on peut monter ? Ouais, c'est mieux. Vas-y, me dépose au conseil, je vais aller chez le véhicule. Vas-y. Attends, va chercher Sam à la... putain. Ouais, les vêtements ah, de vous êtes là, les mecs. On voit Radio 90 ou je sais pas, une radio de même. Radio 100. Pourquoi radio 100 mais... Ah ouais. Radio ? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Ah, la radio 100 est déjà prise. C'est pas sur la radio 100. Ouais, je crois qu'elle est déjà prise, la radio 100. Oh bah désolé. Elle est déjà prise, la radio 100. Mais si on se parle comme ça, c'est pas grave, non ? Radio 100, il y a pas. Si, elle y est déjà. Yassim, enlève-toi de vocal Radio D. Enlève-toi. On voit que tu prends l'avertissement bêtement. Puis la fin de service, t'as oublié d'arrêter, ouais, Yassim. C'est pour ça que j'ai dit de dire de conduire, Yassim. Ouais, vas-y, je vais conduire. Je conduis. C'est trop tard, mon grand. Psst. Vaux qu'on cesse. Allez, monte, non mais. Monte. Vaux qu'on cesse. Oh, bah, qu'on cesse, vas-y. Je vais m'acheter une chignole. Ah, pis ça, c'est. Ouais, oh, attends, j'arrive. On va m'acheter une chignole. Ah, c'est vous qui me sauvez, vous êtes fait marabouter par les mecs en or.
Vous avez dit quoi, monsieur? C'est vous qui vous êtes fait souper par, les... par une personne en noir, non? Bonjour. Non, non, yes. Par qui, monsieur? Par une... C'est nous qui vous ont sauvé quand vous êtes fait souper par une personne en noir, non? Ah oui. Oh, c'est nous. Ah, ok. Bah, merci, monsieur. Tu penses que la sous-temps RS, tu peux la prendre? 210 000. Elle est rentable ou pas de la prendre à 210 000 la Sultan RS? La classique là? Attends, elle s'appelle Karim Sultan RS classique. Ouais. Ouais, en vrai, elle est pas mal. Ouais, est-ce qu'il y a la sportive Sultan RS ou pas? Pas. Bah ouais, ça va, vite quand même quoi. Je la trouve pas dans le catalogue la Sultan RS sportive. Si, faut que t'ailles dans sportive. Ouais, super sportive. Sportive, il y a la Sultan RS en fait. Si, elle est dans sportive. Non, c'est dans sportive, c'est dans sportive. Ouais, mais la Sultan RS, c'est mieux. Ah, c'est bon. Non, elle est dans sportive, la Sultan RS, Oh, les gars, il me manque 100 000, j'ai juste un. Bon, je rends ça à demain. Ils vont faire ce que c'est là-bas. Non, mais je sais qu'elle est dans sportive, la Sultan RS. Mais c'est laquelle la meilleure? C'est la Sultan RS ouais, classique? Ouais, il y a une Sultan. C'est quelle la meilleure? C'est Sultan RS classique ou sportive? C'est classique ou sportive la meilleure? La Sultan RS classique, ou je crois classique. On dirait que vous avez la même tête. En fait, vous êtes jumeaux là, Yassim et Alexander. Regardez vos têtes. No. No, bro. Vous êtes jumeaux, va. Peut-être pas forcément jumeaux, mais nés dans le même ventre quoi. Je vois pas de quoi tu parles. On va dire qu'on a rien vu, d'accord. Bah c'est quelle la meilleure du coup c'est C'est sûr que t'as fermé à clé ta voiture parce que les gens ils essaient de la voler. Mais du coup c'est quelle le meilleur? C'est Sultan RS classique ou normal? Attends, je la trouve même pas la classique, mais elle est tout en bas. Elle est dans si c'est normal. La sportive, elle coûte 200 000 je crois, 210 000 je crois. Juste être dans sportive, ouais, 210 000. Enfin, la classique. Karim Sultan RS classique, elle est super mince. Ouais non, prends la Sultan RS normal. Ah ouais? Non, la classique elle est meilleure. La Sultan versus la Sultan RS classique, je crois moi que la Sultan RS classique est beaucoup plus perf. Non, c'est la Sultan RS. Ah oui? Bah, tu regarderas ça. Ah, ça, j'en suis sûr et certain. Bah, ok. Ouais, mais du coup, il faut juste augmenter les performances de la classique et des fortes. Bah, il manque encore de l'argent. Hein. En vrai, je pourrais vendre mon véhicule, mais je sais pas. Je pourrais vendre mon véhicule pour l'acheter à Sultan RS, mais je sais pas si c'est rentable. J'ai combien sur moi? Ah ouais, quand même. T'as combien? Ah. Vous avez combien dans votre compte de banque? Ah mais que Mito il m'avait dit qu'il avait 500 000 sur lui. Non, hier. Après j'ai dit c'est une blague. Après t'avais dit c'est une blague. Comment t'as eu ce véhicule là Yassim? Mais t'as besoin de parler à la radio, on est là. Hein. Comment t'as eu ce véhicule là? Bah de l'enfort. Aïe. C'est Ouais c'est pas moi le plus conducteur. Ouais mais... Ah ouais, t'as encore des bitcoins? Ah merde, tu peux rien acheter avec 100 bitcoins, non? Non mais attends, je vais voir combien elle coûte la voiture, attendez. Laquelle? Elle coûte. Je vais voir les véhicules. La mienne, elle coûte 3400, je crois. T'as dû t'acheter un supercar, tiens. Non, c'est... Attends, elle est où, la... C'est la RS6 que t'as, ouais. 300 km/h. Ah ouais, bah 300 km/h quoi. Mais avec une plaque, elle va 400. Ah ouais. Ah ouais, qui était bien. Eh, possible, je conduis. Attends, on va aller sur le. Non. Non, je gueule. Je veux conduire après. Vas-y. Ouais, tu vas conduire, ouais. Enfin, si
si la perf, enfin, la permission quoi. Ok. Ça prend 30 secondes. Lamborghini Aventador, les. Marchand là. C'est toi le supercar en vite. Ah, la F5 est si morte. Oh, qu'est-ce qu'on sent? Aïe aïe aïe, la vitesse. Oh, bah, ok, t'avais touché un 400. 400. Mais s'il est vécu la peur, hein, c'est normal. Ah ouais, 350 quand même. Tu me laisses conduire? Non. Oui, laisse laisser, c'est drôle. Non. Oui. Attendez. La Audi RS7 elle va 330, pilote. Vas-y mon dieu. La première. 260. Oh putain. Eh mon moyen tu fermes la porte, ça me stresse. Va sur le truc les trucs marrons là. Merci. Moi je vais voir les véhicules vite fait, attends. Ah quand même. Oh putain. Ouais fais gaffe sur les. Ouais quand même. Faire gaffe, ouais. Mais je compte jamais cette pause moi. C'est bien ce qu'il faut dire quoi. Moi ça va bien, je vais dire. Moi sur l'autoroute là, il y a plein de merdouilles avec qui part en plus. Ouais c'est ça en plus. À 400. Putain je vais sur l'autoroute. Vas-y, va sur le tour, fais gaffe, hein. Vas-y. Mets pas le mode, je sais. Vas-y. Quand t'as pas l'habitude de la conduire avec le mode brut, c'est la même dans le virage droit, tu vas rentrer le mode brut. On aura beau voir. Mais non, on fait des tours de ville, hein. Fais comme tu veux, mais on va se faire contrôler, moi je te le dis. Faut pas vous saluer à toi. Conducteur, ça. Ouais, c'est vrai. Dites salut à vous. Mais non, mais ça va rien dire, c'est le conducteur justement qui va prendre cher. Oh putain! Wesh! Oh là là, les moldus! Oh les moldus! Putain, tu casses les pieds là. Putain, il a écrasé un chat, mais il est enculé. Je vais te baffer, toi. Va le voir si ça se sent bien déjà. Mais je vais te manger, toi. Il a disparu. Il a disparu, chat. Il est retourné à l'hôpital. Il est retourné à l'hôpital, il a dit le bâtard. Il n'y a pas un report. Non mais dis pas ça, t'es con toi. Ouais c'est vrai. Tu vas devant les gueules, t'avances vite. Regarde, il y a un contrôle devant, regarde. Hein, c'est vrai. Non fais gaffe, il y a des motards qui font des contrôles ici, hein, fais gaffe. Ouais. Ah, tu vas bien, c'est bon. Alexandre, on va aller au mécanique. Oh, mais elle est correcte, hein? Hein? Elle est correcte? Non, du coup. Si, elle est correcte. Non, on va aller là-bas. Vas-y. En vrai, j'aime bien comme ça. Tu sais, les mécanos, plus fort, plus. Ça fait 3 fois je vois des véhicules avec la même couleur de néo et la même couleur de corps. Ils n'arrivent pas à me les trouver. C'est bon.
Ah merde, mais c'est là le mec. Par contre, moi je vais rester dans le véhicule donc. Y'a personne dans le garage gratuit. Y'a personne. Ouais, t'inquiète. On va faire un accident, on va finir dans l'eau avec lui. Regarde, regarde, regarde-moi ça, regarde-moi ça, mais... Oh là là. Bah... Bon, tu me laisses conduire ? Vas-y, conduire plus. Quoi ? Je vais la manger. Ok, non, c'est la petite merde. Ouais, vas-y, grippez. C'est une voiture électrique, toi. Vas-y, laisse conduire. T'as vu ma... T'as vu maintenant Alexander, c'est, ça fait comme Luna, laisse-moi conduire. Laisse conduire. Allez, on y va. Laisse conduire. Vas-y, viens, monte. Oh là là, mais tu vas pas faire comme Luna, Alexander, c'est bon, on a compris là. Luna disait la même chose, je peux conduire, s'il te plaît. Après, quand on disait non, bah elle se barrait, flash. Enfin, je veux dire, elle est. Comment dire, voilà, dans le terme, voilà quoi. Tu te rappelles hier? Bon, allez, bref. Tu fais quoi là? Ouais, t'as mis une bombe réglo sur la vie. Mais t'as 50 ans. On était 100 km de Est-ce que vous connaissez la Harley Davidson Breakfoot? Ouais. La Harley Davidson. Je suis avec ma Harley Davidson. Toi tu as que des enceintes vous savez, Nixon. Cette moto-là, va... Moi j'étais que le président Nixon. Regarde, cette moto-là va à 270 km/h. Hein? Ouais. Ah pas mal hein. Je suis avec ma Harley Davidson. Dans la haie aussi, ça t'entend. Tu mets ce qu'on veut. Tu peux te taire. Ok, chaude. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il veut nous faire là? Oh là, il y a une grille, sa caisse. Bah voilà, travail de professionnel quoi. Ça marie. Non, c'est juste le fun. Ouais. Ouais. Yassim, est-ce que t'es VIP ou pas? Tout ça. Dans la ville. Non, dans la ville. Est-ce que t'es VIP ou pas? Non, mais je vais bientôt prendre le deuxième. Ah ouais, d'accord, petit coquin. Non, je rigole. T'es chez les blues, là, on va se faire baise. Mais non, je vais pas les baiser. Ça, c'est la personne. Mais oui, il y en a plus, il y en a presque pas. Non, les blues, ils étaient le chef qui est... Le OG des blues, il a abandonné le projet. Ah, t'es... Comment ça, tu sais ça, toi? Bah, j'ai des amis blues.
Zedak. Non. Qu'est-ce qu'il fout là, mais... Ben non, c'est un appartement, mais vas-y, arrête ça. C'est quoi la tombola de Limoges en se m'habillant ici? Vas-y, tu mets ce qu'on joue, mais c'est pas. Oh là là, mais. Arrête de me gaver, lui. Arrête de me gaver, lui. Oh là là, genre. Mais je vais pas écraser, moi. Le gâteau de. Laisse pas conduire. Oh le bateau. Oh le petit, il m'a abandonné. Bon, lui, il n'y a pas. Non. Moi vers quoi? Je pense que je vais acheter ma Jigular dans le temps. Allez, on va aller au concess. Je sais pas si on peut acheter soit la Jigular ou la Sultaneras. Merde! Oui, désolé. Putain, c'est pas les bons. Tu pénis.
On va aller voir les bénisiers. Je suis un joueur d'échecs. C'est pas eux. Les gars. C'est les bons ou pas? Yes. Allez, pousse ma belle, allez, pousse. Arrête de faire des doigts là. Ils ont sorti les armes, hein. Au cas où, faites attention, ils ont sorti les armes. Conduit. Quelqu'un conduit, faut que je la rafale. Si quelqu'un rafale, faut la rafaler aussi. C'est moi, bande de malades. Hein. Non, c'est moi, je conduis bien, moi. Non, vas-y, si tu veux. Je vais abandonner, hein. Je peux conduire. Va, je vais essayer les boîtes. Là-bas, je vais essayer de les braquer. Va, oh, il a niqué la portière. Voilà lui. Et là, il y a quoi? Alors, on va se tirer dessus. Vas-y, fais ce mec là. Fais des fêtes, Ils ont tiré là. Ouais, ouais, ils ont tiré. Non, vas-y, avance-moi un peu plus loin là. J'aimerais bien me barrer parce que j'ai pas envie d'avoir un. Ah non, y'a pas de soucis. Un petit rapport. Attends. Attends. T'es une manière, attends. Ils arrivent. Eh, je m'en bats les couilles, ils arrivent. Eh, me tire pas sur avec ton Alexandre quand même. Que... Évitez juste les alliés. Est-ce que vous êtes armés, vous? Non. Putain. Évitez juste les insultes, s'il vous plaît, genre. Ouais, t'inquiète. Non, bah, vas-y, go. Sam, il comprend pourquoi, mais genre. Oh, frère, il dit bouffe ta chatte et tout. Oh, il est. Wesh. Dis dive, regarde. Fuck. Regarde le tigre sur. Ah non, j'ai cru que c'est. Bon, arrêtez les mecs, parce qu'on va avoir un gouverneur qui va arriver nous voir. Ils vont dire, ouais, vous trouvez ça normal de faire des fucks comme ça? Oh putain, je suis dans mon délire là. J'ai fait une prière de seconde. Vas-y, viens, change de véhicule. Va vers eux. Non, on change de véhicule. Non. Va vers eux aussi, va vers eux. Alexandre. Mais voilà, lui, les couilles. Toi, prends une arme si t'en as une. J'ai pas d'arme. Mario, lui, voilà. Prends une arme si t'en as une. J'ai pas d'arme, on a pas d'arme. Putain. On est même pas sûr d'avoir d'arme. Aucune arme. Putain, je suis à côté d'Alexandre. Hein. J'ai une lampe de poche, j'ai besoin, mais. Mais bonjour, monsieur. Monsieur. Ouais, c'est mais avance. Non, en fait, il a fait vol plat, il a pas mal. J'ai une lampe de poche. Attends, je vais ouvrir la fenêtre. Hein. Ouais. Ah, faites des doigts là en l'air comme ça. Non, j'ai gagné. Non, mais arrête ça. Mais... Fais pas ça. Arrête, c'est tout. Non, en vrai, arrêtez avec les doigts, parce que c'est pas être très respectueux. On va voir le camacho. Ouais, ton doigt. Oh là là, le boldu là qui s'y fait. Vous, il va pas se voir. Pourquoi je suis gênant? Essaye de trouver le camacho. Mais je sais même pas. Attends, laisse continuer. Pourquoi on veut trouver les camachos en fait? Laisse conduire. Parce que ils ont dit un truc, c'est pas acceptable entre guillemets dans la ville en fait. Ah. Bouffe ta. Ouais, dis-le pas, ouais. Voilà. Ouais. Attends, laisse conduire. Et ça, moyen, hein, t'as vu? Ouais, mais c'est pas une raison pour les tuer, genre. Ils les ont maté, j'arrive. Non, pas les tuer, au moins les leur. T'inquiète. Bah, c'est un peu bizarre. Non, mais sur le même, faut les éviter, boss, bon. Non, en fait, je vais retrouver parce que j'ai une prière, c'est juste ça. Du coup, je suis gênant, mon gars. Oh là là, mais la con. Oui. 18. Pour moi, j'ai rien touché, ça m'a arrêté. Je me suis. C'est pas moi, c'est je suis...
30 secondes. Comme Théo ici. Bon, allez, on a pas 10 ans déjà. Et la fille, elle a quand même pas. Attends, merde, je vais te faire ma propre service, tu arrives. Moi, tu veux que je conduis? Tu me sais, c'est sur la. Tu veux que je conduise? Moi, je suis trop fort pour conduire. Non, tu sais pas conduire. C'est toi. Ça sert à rien de dire, ouais, tu conduis bien, ça sert à rien de dire ça, Alexandre. Alexandrie, pardon. Pourquoi toi, tu conduis mieux? Bah ouais. Ah ouais. Alexander, bah oui. Moi, je suis pas sûr. Si, si, bah si, je conduis bien, toi, tu fonces sur tous les poteaux. Ouais, là, c'est bon. T'as même sûr. Roulé sur le chat, tiens, tout à l'heure. Tu vois? Le petit chat. Bonne réflexion. Ah, pourquoi t'as pas un conduit? Aïe! T'as pas un conduit? Arrête! T'as pas conduit? T'as plus aussi là, t'as. Tu payes toi? Il y a deux places. Qui a conduit? Hein? Ah, c'est où lequel? Hein? Quoi? Non, mais c'est toi qui as dit, c'est toi qui a dit ça. Ok. Bah voilà, c'est toi qui a fait ça. Il faut que quelqu'un se. Mais toi, mais j'ai pas fait toi, enculé. Tiens, ta gueule. C'était le petit message du parade. Ouais. C'est le message pour le disco de mieux conduire. Je t'emmerde. Ouais, elle est plus que moi. C'est tout pour gérer. Plus que moi, t'es conduit. Viens, envoie mes canons, on va voir si Max est encore là-bas, là. S'il est là-bas, le mec, voilà. Il squatte beaucoup, quand même. Moi, je vais dans ma tête un peu très longtemps. Pas de trailer, hein, d'accord. D'accord, vous voulez, Alexandre. Oh, Alexander Robinson, non. Après, je t'appelle Alexandre. Ah, y'a Ariana Grande. Oh là là, le jeu de mots, oh là là. J'ai chié. Bah, bref, vous faites quoi les mecs là? Venez, on va au cinéma, on regarde un petit film là. Vas-y. Il y a le cinéma. Ah, attends, je mets le fond. The prophecy is true. Non, non, il y a la police. Il y a les cops. Ouais, ramène-nous au cinéma. Vas-y, j'ai mis le point là sur le GPS. Vas-y. Les droites. Ouais mec, on y va. Oh, ils ont carrément copié le iPromix. Attends madame. Tu veux qu'on regarde quoi?
Film d'action, envie d'action. Soit film ouais. d'art, soit du cartoon. Ouais, film d'action. Film d'action ? Vas-y. T'es là ? What ? Mais c'est trop bien. This summer. Come in, Alpha Bravo Sierra, do you read? I've almost got him! That last monkey's DNA will save us from the apocalypse. You have to catch him! I've got him! Remember, don't stick your penis inside it. Why would I do a thing like that? What are you doing, soldier? This means war! Coming this summer, mankind has fucked his cousin one last time. What the fuck? Wesh, le monde pourrait être comme singe. The Simian. Rated PA for post-apocalyptic nonsense. Attends, ils ont vraiment fait un vrai film. The problem with Darwin is he was a biologist. I'm a mathematician. And we know that in the world there are two kinds of people. People who remember how to count, and people who we can convince a new way of counting while fleecing them for every penny they've got and then charging them for the pleasure. Capitalism depends on one thing and one thing only, a steady supply of idiots. Idiots, just like you. You're paying for an education. What's wrong with reading books on our own? Well, bon, ça parle bien pour vous. Je comprends, mais... Bon. Ouais, on va pas abuser parce que vous comprenez rien. Je comprends, mais... Je vais... Vous avez un film en particulier, le chat que vous écoutez? Dessins animés, films d'action... S'il vous plaît, je vais mettre les films d'animé, hein. Je peux mettre les films sinon, un cartoon. Il y a personne sur... Il y en a. Donc, il y a beaucoup de gens. Attends, je vais te dire les combien. Je sais pas, bon, on est beaucoup. En tout cas, je vais aller manger et tout. Je vais aller faire ma routine, j'ai autre chose. Vous voulez écouter quel film? Cartoon? C'est en anglais, ok, c'est normal si vous comprenez l'intérêt. Film d'action, je sais pas. Vous me dites. Hey you, where have you been? Action, non mais action, il est pas fou. Vas-y, on met cartoon. Next summer in 3D from Fred's. Things just got a lot more complex in Toy Town. What? Neurotic toys. C'est des pubs. Bon, je reviens la team. Je vous laisse écouter ça. Je reviens. Ah, je reviens. Thank you.
You're right, lads? Oh, just fantastic, Marty. Wow, really? Of course not, you silly twat. I'm a fucking robot in a factory making fucking sarcasm. Life would be total shit if I was even alive. Still, at least you fit in. With the lads, I mean. Oh, too right, too right. Supping ale, looking at tits, right? Greasing myself, moaning me all life long like a proper fucking geezer I am. And not being some rich man's meat warmer. Wait, what do you mean? Just taking the piss, Marty. Don't mean nothing by it. Who is that piece of crumpet? Well, I can't remember her name, but I had her up with Gary. Good for you, Wayne. Anyway, excuse us, Marty. Must get back to work or middle management will gas us up again. Have fun at the ballet. What? I don't like ballet. Bloody hell. I'll never be one of the lads. I like ale and birds as much as the next robot, but I just don't fit in anywhere. I'll always be a tedious middle-class droid. At least the boss still likes me. Martin! Martin! Come in here, dear boy. But at the same time, I'm really just a servile little wretch. Oh, clean it nice, yes. Yes, I've made a boo-boo cake back there. Oh, no, 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 further down, further down! Oh, thank you, Martin. My God, look at that. Fantastic rear end. Love to take that little filly for a ride. Bet she'd take me to heaven and back. Do you hunt, Martin? No, sir, but I love self-improvement. In fact, I wanted to talk to you about some inefficiencies I've found. I think we could make some... Sorry, I think you missed a bit. Get in good and deep. Can't have a rash. Oh, that's better. That's better. Hold me, Martin. Tell me you love me. Tell me Nanny loves me. Tell me Nanny loves me more than Freddy. Nanny loves you more than Freddy. That's good. That's very good. Who ain't on a cock? Who ain't on a cock? You posh bastard! You posh bastard! You ain't on a cock! Wanker! I'm not posh. I'm not a pikey. I'm not gay. Oh my stars, my bloody gaydar is off the charts! I'm penis pegged! Ow! Wanker! I just hate being middle class. I'm the loneliest robot in Great Britain. I don't fit in anywhere. All I do is make sarcasm all day and worry all night. At least I can have a pint, play games, and nobody will tell me to go to my room. Fuck me! Oh, Maury, not again! I'm not cheating on you, Martin. I'm a pleasure droid. It's my nature to have sexual intercourse with all these men. It's not even like I enjoy it that much. I know, I'm emotionally inarticulate. With me being a... A robot? A British man. A British robot. I want to marry you. Make little robots together. Maybe you could give up being a pleasure droid. You must be joking. I'd never marry you. You're broken. Everyone knows it. We all laugh at you behind your back. Really? No, of course not. But I do like sleeping with other men too much to give it up. They give me something you never can. Now, if you don't mind, I am in the middle of something here. I am in the middle of something. Look, Razzie! We're made of different things! That tickle. Mother! Are we in the middle of something here? We were just playing! Maybe you would be a better son if you weren't playing with filthy girls. Come here, you! What are you doing, Mother? Don't! No! What are you doing, Martin? Don't! What the hell have you done, you bourgeois tinker nutjob?
I loved her! I'll recycle you for this, you little shit. Come here! Twat! Twat, 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 twat! Bloody hell. What have I done? I need to get her reprogrammed to love me this time. I know. I'll go see Phil, best friend. Good little lad. Serves a fine pint and doesn't make me feel like an awkward middle-class twat. He'll know what to do about getting Maureen reprogrammed and those perverts off my case. Oh my God! Phil, what happened? I'm sorry, Phil's been decommissioned. I know you gents were pals, but onwards and upwards, yeah? The new model Phil comes with a touchscreen. Brilliant! You cretin! Back off, he's dead, you mong. Built-in obsolescence, we all love it. He was my best friend! Oh! Last piece. Summer in 3D from Fred's. Things just got a lot more complex in Toy Top. Neurotic toys.
you're a lad? Oh, just fantastic, Marty. Wow, really? Of course not, you silly twat. I'm a fucking robot in a factory making fucking sarcasm. Life would be total shit if I was even alive. Still, at least you fit in. With the lads, I mean. Oh, too right. Supping ale, looking at tits, right? Greasing myself, moaning me all life long like a proper fucking geezer I am. And not being some rich man's meat warmer. Wait, what do you mean? Just taking the piss, Marty. Don't mean nothing by it. Who is that piece of crumpet? Well, I can't remember her name, but I had her up the gary. Good for you, mate. Anyway, excuse us, Marty. Must get back to work or middle management will gas us up again. Have fun at the ballet. What? I don't like ballet. Bloody hell. I'll never be one of the lads. I like ale and birds as much as the next robot, but I just don't fit in anywhere. I'll always be a tedious middle-class droid. At least the boss still likes me. Martin, come in here, dear boy. But at the same time, I'm really just a servile little wretch. Oh, clean it nice. Yes, I've made a boo-boo cake back there. Oh, no, further down. Further down! Oh, thank you, Martin. My God, look at that. Fantastic rear end. Love to take that little filly for a ride. Bet she'd take me to heaven and back. Do you hunt, Martin? No, sir, but I love self-improvement. In fact, I wanted to talk to you about some inefficiencies I've found. I think we could make some... Sorry, I think you missed a bit. Get in good and deep. Can't have a rash. Oh, that's better. That's better. Hold me, Martin. Tell me you love me. Tell me Nanny loved me. Tell me Nanny loves me more than Freddy. Nanny loves you more than Freddy. That's good. That's very good. Who ain't on a cock? Who ain't on a cock? You posh bastard. You ain't on a cock. Wanker. I'm not posh. I'm not a pikey. I'm not gay. Oh my stars, my bloody gaydar is off the charts! I'm penis pegged! Ow! Wanker! I just hate being middle class. I'm the loneliest robot in Great Britain. I don't fit in anywhere. All I do is make sarcasm all day and worry all night. At least I can have a pint, play games, and nobody will tell me to go to my room. Horrible little shit! Go to your fucking room! Oh, yeah. Oh, you're a nasty little robot. Oh, yank it good and hard. Fuck me! Oh, Maury, not again! I'm not cheating on you, Martin. I'm a pleasure droid. It's my nature to have sexual intercourse with all these men. It's not even like I enjoy it that much. I know, I'm emotionally inarticulate. What with me being a... A robot? A British man. A British robot. I want to marry you. Make little robots together. Maybe you could give up being a pleasure droid. You must be joking. I'd never marry you. You're broken. Everyone knows it. We all laugh at you behind your back. Really? No, of course not. But I do like sleeping with other men too much to give it up. They give me something you never can. Now, if you don't mind, I am in the middle of something here. Ha ha ha! Look, Razzie! We're made of different things! Ha ha ha! That tickle! Mother! Are we in the middle of something here? We were just playing! Maybe you would be a better son if you weren't playing with filthy girls! Come here, you! What are you doing, Mother? Don't! What are you doing, Martin? Don't! What the hell have you done, you bourgeois tin can nut job?
I loved her! I'll recycle you for this, you little shit. Come here! Twat! Twat, 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 twat! Bloody hell. What have I done? I need to get reprogrammed to love me this time. I know. I'll go see Phil, best friend. Good loyal lad. Serves a fine pint and doesn't make me feel like an awkward middle-class twat. He'll know what to do about getting Maureen reprogrammed and those perverts off my case. Oh my God! Phil! What happened? I'm sorry. Phil's been decommissioned. I know you gents were pals, but onwards and upwards, yeah? The new model Phil comes with a touchscreen. Brilliant! You cretin! Fuck off! He's dead, you mong! Built-in obsolescence. We all love it. He was my best friend! Oh! Hey, what's up? Just enjoying my day off. Get on the. No way, Eli. I worked every day this week. You gotta be joking, asshole. Ma io sì, arrivato. Oh, I miss him so much, chica. Pas fait exprès pour ça. Bon, après la petite fin de service, on va revenir dans une heure, même pas. Dans 30 minutes à une heure, on va revenir au service. Le film, on va chier juste là. Hein, c'est plein qu'on peut pas se parler quand il est dans le film. Bruno, como esta voce?
Salut. Salut. Aïe. Ils sont pas humains, les gens. Peut-être que ça va faire froid aujourd'hui. Can we go, wish? Les deux vieux sont fous. Allô, monsieur? Monsieur? Monsieur, il y aurait moyen que vous me déposez avec un de vos véhicules au concessionnaire. Vous êtes sûr que vous n'allez pas me la mettre à l'envers, hein? Ben, je suis sûr, 100%, je suis MS. Parce que tout à l'heure, on m'a volé mon véhicule. Heureusement, j'avais pas mon arme pour moi, sinon j'avais le fumé. Je suis médecin. J'ai pas envie de voler votre véhicule, c'est pas dans mon but. Non, mais on sait jamais. Non, mais vas-y, venez, je vous dépose. Moi, je m'appelle Alcaraz. Et toi? Et moi je m'appelle Mousse. Mousse? Allez, c'est monté. Vas-y. Je vous mets GPS. Vous voulez que je vous dépose? Au concessionnaire auto. Combien de temps vous êtes en ville? À peu près 2 semaines. Vous allez acheter quoi? Je sais pas. Je sais pas si c'est mieux d'acheter une gigolo, ouais, ou d'acheter okay. une soutane. La soutane RS, le problème, elle est bien, hein. Mais genre, il y a que 2 places. Moi, non, il y a 4 places. La RS, il y a que 2 places. Hein. Tu vois, okay. Ouais, il y a que 2 places, parce qu'en gros, ils ont modifié les trucs. Et la soutane tout court, là il y a 4 places. Mais moi c'est pour ça que je te conseille la Jubilar là. Moi je l'ai. En plus, ça monte à 180, hein. Ça monte à 180 et 200. Ouais, la Jubilar. Ouais, la
En vrai, même en descente et tout, je prends 240 presque. Si tu l'as. Et plus tombé c'est pas genre 125 157 000, un truc comme ça. 152 000. Elle coûte. Moi, là, je pense que je vais m'acheter un Rebla, tu sais, les trucs à 230 000. Là. J'ai juste 130 000. Merde, attendez, je vais regarder quand même. Alors, l'eau, je peux m'acheter une moto. Bon. Hey, la Jiculeur, elle se trouve dans quel catalogue? Et super sportive ou sportive? Sportive. Ouais, sportive. Ok, merci. Ouais, sportive, allez. Moi, là, j'hésite à me prendre le Rebla. Hein. Ah, c'est 152 000! Ça va, c'est sportive. Ouais, j'ai 133 000. Très peu, j'aurais... Le petit billet. Là, non. J'économise pour autre chose. Pour ça. Attendez. Super. Est-ce que vous pensez que c'est rentable que genre je vendre mon autre véhicule à 100 000, à 105 000? Ouais, en vrai, si vous pouvez le vendre, ouais. Ouais, mais mon véhicule est full custom avec je sais pas. Vas-y, en vrai, je sais pas. Là, je monte quand même. Attends. Parce que c'est une défausée. Ils sont à la fourrière, mes véhicules. Attends. Merde, parce que quand j'ai pris un message. Déjà, plein de mesures. Je vais aller où là? Fourrière. Parce que mes véhicules sont à la fourrière, ça de là. Monsieur. Allô, Tony. Ouais, frère. Moi, j'ai failli quitter la ville à vie tout à l'heure. Hein. Gros, je me suis fait braquer par 4 mecs. Bon, ok, je comprends qu'ils m'ont braqué une fois. Ils me rebraquent la deuxième fois, frère. Et déjà, la première fois, ils m'ont pris mon Beretta. Du coup, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Voilà. Là, monsieur ? Hein ? Ah, okay. Je vous donne des où, du coup ? À la fourrière, on est au Venise. Ça a été discret, vous faites quoi dans la vie ? Homme d'affaires. Ok. Moi je suis ambulancier. Ah ok. Ouais. Il y a mes collègues en face. Ouais. Bah merci. Hein. Merci monsieur. Vas-y. Bonjour madame, il y aurait moyen que vous allez chercher un véhicule de la fourrière à moi. S'il vous plaît. Ouais. Monter sur moi. Vous voulez votre véhicule en fourrière, monsieur, ça? Ouais, ben j'en ai deux en fourrière parce que. Ouais, mais j'en ai un qui est mis en fourrière par accident. Venez, je m'en occupe. Ben en gros, ma moto, ça fait deux jours qu'elle est en fourrière, sauf qu'elle a été mise en fourrière alors qu'elle était bien garée au niveau de l'hôpital, puis je travaille là-bas, donc genre. Ça marche pas trop. Oh, vous savez, on voulait peut-être voler et... Non, elle était barrée. Ouais, puis mon autre véhicule, c'est la Néon. C'est une Néon. Vous c'est d'abord la Néon ou la Sanchez en premier? La Sanchez, je vais aller la vendre. Vous pouvez payer direct. 5 000. C'est ça. Je vais se la payer. Voilà, tenez votre Sanchez. Est-ce qu'il y a un moyen que vous me suivez derrière avec l'autre véhicule pour venir me reporter ici pour reprendre ma Néon? Je peux pas sortir le deuxième véhicule. Non, mais n'importe lequel, genre mettons un véhicule personnel. Non, je peux là-bas. Pas le sortir. Bah non, je peux pas. Ok, bah vas-y, je vais marcher.
7000 balles, c'est plus cher que véhicule que quand je le vends. Ah, j'ai payé, bah ça m'a coûté ma faction. Ah bonjour monsieur. Bonjour. Il y a moi, vous me déposez au Beniz. Au Beniz, vas-y, je vous dépose. Vas-y. Vous faites quoi en ville? Ah bah là, toi, je me promène, hein, je gambade. Ok. Beau petit véhicule, hein. Ouais, ah, merci, hein. Il est nul à chier, ce truc. Ouais, j'adore. Comment? J'adore votre véhicule. Ah ouais, merci, bah là, je viens tout juste de l'avoir. Il coûte combien? 100... Bah, plus de 100 000, je crois. Oh, ouais, c'est rentable. Ouais, il est pas très cher. C'est pas rentable, c'est dégueulasse. Voilà, monsieur. Merci, monsieur. Passez une bonne journée. Merci. Max. C'est bordel. Ouais. Mais c'est Alexander là, non? Ouais. Alexander. Quoi? C'est le bordel. Oui. Ah non, mais les collègues ils disent ça sert à rien de venir, on a pas bien été contacté, les mecs parlent pas, enfin. Oh, c'est un bordel. On a reçu ouais, mais moi je vais payer 10 000 balles pour sortir tous mes véhicules de fourrière alors que je sais même pas supposé être en fourrière. En gros, j'ai envie de m'acheter un véhicule. Mais j'ai envie de m'acheter une Jugular. D'accord. Mais. J'en vois tellement des Jugulars. À la limite, entre la Jugular et la Néon, mec, achète la Néon. Hein. Elle est bien mieux, plus rapide, etc. Ouais, mais la Néon. Non, elle est moins vite. Elle est plus vite en accélération. Mais le problème de la Néon, c'est que c'est un véhicule électrique, donc genre, c'est pas. C'est pas. T'as pas déjà une? Ouais, j'ai une Néon. T'as déjà une Néon? Oui, j'en ai déjà une, je veux une Jugular. Ah, ok. Mais moi, oh là là. Ah oui, c'est vrai. J'ai plage. Attends, je vais demander à madame. Madame. Mademoiselle. Allô? 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 Vous m'entendez bien? Oui. J'ai été contacté par la police. Ils m'ont dit que ce que je faisais c'était illégal. Donc je peux plus le faire. Ouais. Bah en gros c'est comme si je vendais des trucs puis je recevais de l'argent non déclaré. C'est déclaré, vous inquiétez pas. Ouais mais c'est bizarre un peu mais. Bah du coup je déclare à 30. Allez, Alexander. Ah ok. Bah moi si je connais bien 30. Mais à la cargaison, faut que je demande au vigneron. Puis bon, vous l'avez. Ouais. Ok. Ok. Vas-y. Vas-y. Monsieur, est-ce que ce serait possible de libérer un autre de mes véhicules? Ma Néon. Oui, bien sûr. Ma Néon full gold. Monsieur, est-ce que c'est Marvin? Hein? C'est Marvin? Non, absolument pas. Merde. Eh, vous avez pas un petit peu d'argent pour pouvoir acheter mon véhicule ou quoi? Non, je peux pas, désolé. Sérieux? C'est des radins, j'en suis béni. Venez à côté de moi. On vous soigne, on vous aide. Tout. C'est 5 000 $, hein, c'est cher. Je vais se payer. Tenez. Voilà, bonne journée à vous. C'est pas elle? Si, vous inquiétez pas, rentrez là et ressortez à votre garage, vous inquiétez pas. Ok. Faut que je la mette où? Pour qu'elle se revienne comme avant. Votre garage, et vous la ressortez après. Ok. Et puis je me trouve avec ça. Ça va pas?
les gars, la personne qui sont malades, les gens qui sont malades, est-ce que j'ai le droit de me connecter avec mon double compte? Bah du coup mon autre compte, Miguel, non Bobby McPhee. Ah voilà, de me connecter avec mon compte Bobby McPhee, de prendre son argent, ses véhicules, tout vendre. Et après, me donner mon argent sur mon compte là. J'ai droit ou pas? Si j'ai droit, je vais faire ça. Hein. Juste que je me trouve une personne de confiance. Tu m'entends? Ouais, ouais. Hey, un moyen vite fait, tu peux venir à un endroit vite fait. Ouais. T'as coupé? En gros, il y a un mec qui me doit de l'argent. Ouais. Et un moyen, tu peux aller, mettons, au parking à côté de l'hôpital, il va arriver, il va te donner l'argent à toi. Je suis en service. Bon, non mais juste vite fait, tu prends l'argent. Ah ok. Voilà. Et je te passe, ok. Ouais, vas-y, merci. Bah j'y suis à l'hôpital, depuis tout à l'heure je suis allé. Il m'a dit je vais vendre mon véhicule pour donner tout ce qu'il besoin. Parce que genre j'ai pas. Vas-y, bah je l'attends devant l'hôpital. Vas-y, 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 bah je l'attends devant, vas-y. On va faire ça. Je suis pas un endroit, bah belle qu'on se fera bonne, mais. De toute façon, moi je vais bientôt arrêter mon live. De toute façon, les personnes, on va essayer de mettre sur Twitch. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, les gars, je vais arrêter mon live. Bye bye.